Et bonjour tout le monde, et ben voilà, je vais faire mon premier tuto en vidéo et je vais vous expliquer comment à partir d'un objet fait dans Animator, on peut aller très facilement le texturer en utilisant UV Mapper. Alors pour commencer, j'avais fait ça vite fait, quelques formes. Nous avons un espèce de cube, deux cylindres, un horizontal, un vertical et une pyramide. Voilà, donc ça... on va les exporter en format OBJ. Alors chacun prend le dossier de son choix, le tout c'est de ne pas s'y perdre. Voilà. Maintenant nous allons ouvrir UV Mapper. Alors je vous conseille de le régler à peu près comme un carré, parce que la texture qu'on veut faire sera en 1024 sur 1024, c'est-à-dire carré. Nous chargeons notre modèle que j'ai appelé tuto 1, et voilà, pour le moment c'est un peu du n'importe quoi. Alors on va aller dans New UV Map et on va faire comme ça au hasard planar. Voilà, donc on voit bien notre espèce de cube, mais on a que deux faces, la pyramide en a que deux faces, le cylindre, donc ses projections devant derrière, c'est pas forcément ce qu'on veut. Alors ben il faut qu'on le fasse objet par objet. Alors on va commencer par le premier, donc on va dans sélectionner par groupe et on va prendre notre espèce de cube, voilà, qui est là. Ne vous occupez pas du reste, on verra après, et on retourne dans notre menu New UV Map et là on va le faire en box. Cette option permet de séparer l'avant de l'arrière et voilà ce qu'on obtient. Alors bien entendu, il n'a pas tout à fait la même forme, puisqu'il est comme ça. Donc, vous vous mettez là, vous vous débrouillez pour le redimensionner à peu près de la même forme. Là, ça va à peu près. Au passage, regardez ici, dans Hotkeys, vous avez toutes les touches qui permettent de changer, redimensionner, etc. Deux qui sont très pratiques, c'est la barre oblique et l'astérix, pour augmenter ou diminuer la taille. Là, je diminue, ou là, j'augmente. Pour le moment, on va le mettre comme ça, on va le mettre dans un coin, on va le mettre là. On verra après, je vous montrerai. Maintenant, on va s'occuper de la pyramide. Donc, il faut sélectionner par groupe, et c'est celui-là. Bien sûr, ça aurait été mieux de les nommer avant. Et là, pareil, on va faire box. Voilà notre pyramide. Comme vous voyez, elle n'a pas du tout la même forme, donc on va la bidouiller un peu pour avoir globalement la même forme. Ça évite d'avoir des textures quand on les dessine qui sont déformées. Voilà, alors au passage, dans les touches, deux qui sont très pratiques, la touche V qui permet d'augmenter la taille en verticale, ou majuscule V qui fait l'inverse, et U, c'est à l'horizontale, majuscule U pour aptisser. Voilà, ça, on va le mettre là. Maintenant, on va s'occuper du cylindre vertical. Donc, toujours sélectionné par groupe, cylindre numéro 1. C'est celui-là. Donc là, en box, ça ne va pas être génial. Je vous montre comment ça fait. Voilà, c'est pas franchement très pratique. Donc là, il vaut mieux le faire en cylindre cap, parce qu'il y a un couvercle en haut et en bas. L'axe Y qui correspond à cet axe, Z ou X, ça irait pas. On peut toujours faire, mais vous verrez que ça ne marche pas bien. Donc, OK. Nous avons donc notre cylindre avec les couvercles et le fond. Bien entendu, il faut se débrouiller, avoir cette forme doit être à peu près circulaire. Donc, j'affine avec la touche U. Voilà. Je peux, selon la définition que je veux, le rapetisser ou l'agrandir, on va le mettre comme ça, pourquoi pas. Voilà. Le dernier cylindre qui est là, toujours pareil, nous allons dans sélectionner, par groupe, cylindre, et on va faire comme pour l'autre, cylindrical, pardon, cap. Axe Y, OK, même chose. Et là, vous voyez que c'est du n'importe quoi. Pourquoi?
Eh bien, tout simplement, on n'a pas pris le bon axe. On y retourne et on change, c'est l'axe X. Voilà, c'est mieux. On fait comme l'autre. On arrange de façon à ce que ça soit à peu près la bonne forme. On se le met là. Voilà. Nous avons nos textures qui sont faites. Alors à ce niveau-là, moi je vous conseille de sauver déjà. Si on fait une mauvaise manœuvre, ça peut nous sauver. Et on va l'appeler la même chose. Et moi j'ai l'habitude de mettre entre parenthèses TXT comme texture. Donc je sais que c'est la même chose, mais avec la définition des textures. Alors, là vous voyez, on perd un peu de place. Moi j'ai envie de tasser un petit peu tout ça. Alors on peut sélectionner très facilement un morceau, là, et on le bouge, on va le mettre là. Après, avec les flèches du clavier, on le positionne. Et maintenant, pour bouger ça, on va le mettre dans le coin. On va passer là. On peut bien sûr le sélectionner avec la souris. Mais là, hop, on sélectionne celui-là. Pas bon. Donc il vaut mieux aller dans Select, par groupe, le cube. Voilà, là on n'a que notre cube. Et on va le pousser ici, tranquille. On peut le faire plus ou moins grand, ça dépend ce qu'on veut comme résultat final. Celui-là, pareil. Alors là, on n'a pas besoin d'aller dans le menu, on peut le sélectionner comme ça. On va le pousser là. Comme on veut qu'il soit un peu plus détaillé, on va le grandir un tout petit peu. Oups, trompé. Voilà, comme ça. Alors là, c'est un peu beaucoup. Alors on peut prendre la touche moins et l'ajuster comme on veut. Voilà, et puis on se dit, ah ouais, mais là c'est dommage, on perd de la place un peu là. On va sélectionner ces deux là, et si vous allez dans le menu, vous voyez que ici, CTRL X ou CTRL Y, on peut inverser. Nous je vais inverser verticalement, donc CTRL Y. Hop, et on va le mettre comme ça. Je pousse un peu. Voilà. Ça permet de gagner un petit peu de place. On resélectionne tout ça. On va se le positionner en haut. Voilà. Bon, et ce carré-là, pareil, pour que ça soit rangé, ben on va le mettre là. Alors bien sûr, tout est possible. Mais là, c'est pas trop mal. Ensuite, cette texture-là, on peut bien sûr la redimensionner. On va la bouger un petit peu, toujours dans le but de gagner un petit peu de place pour pouvoir mettre ultérieurement d'autres textures. Et celui-là, on a décidé que, ben, ma foi, cette taille, ça va très bien. Ou pourquoi pas plus petit. Tout dépend ce qu'on veut faire. Plus grand, plus petit. Voilà, on va le mettre là, comme ça. Ça, là, on pourrait le mettre là. Facile à faire, vous le sélectionnez, attention de ne pas, pas dépasser, et le vous mettez là, voilà, et puis pareil pour celui-là, on va le mettre ici, on le sélectionne tout ça, et puis on va le pousser, on va le mettre là par exemple. Voilà, ce qui fait que notre objet est maintenant texturé. On a un petit peu arrangé, bien entendu, chacun fait comme il veut. Et on va le sauver. Donc c'était celui-là, on le resauve par-dessus. Et surtout, la texture. Alors ça, ça va être très utile, vous verrez pourquoi. Bien faire attention pour la dimension. 1024 sur 1024, c'est ce qu'on veut. On fait OK. Vous embêtez pas avec le nom, ça c'est le même avec BMP. Comme ça, au moins, on sait. Voilà. Maintenant, nous avons notre objet texturé. Et il faut le réintégrer dans Animator parce que celui-là, il ne l'est pas. Donc, nous allons faire objet import. On va le chercher. Il est là, en format OBJ. C'est celui-là, avec le TXT. Et voilà. Alors, là, évidemment, on ne sait pas qu'il est texturé, mais c'est lui. Et on va pouvoir l'exporter en mesh pour orbiteur.
On va le. Là, j'ai pas fait le ménage, j'ai beaucoup d'objets. On va garder le même nom. Pour ça, je m'y retrouverai. Tuto 1. Voilà. Alors maintenant, c'est bien joli, mais le fameux fichier mesh, il faut lui dire où elle est la texture. Alors, ploup, je me mets comme ça. On va aller chercher ce fameux fichier mesh qu'on vient de faire. Il est là. On l'édite avec bloc-notes. Et vous voyez, il y a un groupe. Ah, il y en avait quatre tout à l'heure. Alors, ce qui se passe, vous voyez l'objet du début, si on regarde ici, il y a bien quatre groupes. Et dans celui qu'on vient de texturer, il n'y en a plus qu'un. Ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, une fois texturé avec UV Mapper, eh ben, il vous scinde tous les groupes et il n'y en a plus qu'un. Quand on veut faire des animations, c'est pas forcément cool. Je vous expliquerai comment faire tout à l'heure. Là, pour le moment, ça ne nous dérange pas. Il faut lui rajouter la texture. Là, c'est 0. Ben, on va mettre une. On met 1 parce qu'il y aura une texture. Si on mettait deux textures, eh ben, il faudrait mettre 2. Et on va lui donner le nom qu'on va lui donner. On va l'appeler tuto 1, pareil. MSH. Pardon. DDS. Les textures sont en DDS. Voilà. Si on voulait mettre cette texture dans un sous-dossier, là, il doit être dans texture. Le dossier d'orbiteur, texture. Si on veut le mettre dans un sous-dossier, des fois, c'est bien. Eh bien, par exemple, je l'appellerai mon add-on. Voilà, et là la texture pour être trouvée doit être dans le dossier texture mon add-on et elle s'appellera tuto 1. On enregistre. Voilà. Et maintenant, c'est là que Mesh Wizard est utile. On va aller ouvrir ce fichier Mesh. Alors, déjà il faut que je retrouve l'endroit où je l'ai mis. Voilà, ici. Et il s'appelait. J'aurais dû faire le ménage avant, mais bon, moi je m'y retrouve. Il est là. Vous reconnaissez notre objet. Si on sélectionne ça et qu'on regarde, on a bien notre texture. Oui, mais pour le moment, c'est pas déclaré. Si on fait ça, matériel défaut, texture aucune. Donc il faut lui dire. On applique et on sauve. Alors là pareil, comme c'est, j'avais pas réglé, il faut pas que je me plante de dossier. Je vais aller dans le même. Voilà. Là, il est en MWF, le format de Mesh Wizard. Donc nous, on le veut en mèche. Hein. Donc, tuto 1, sauver. Voilà. Maintenant. Eh bien, si on le charge à condition d'avoir fait tous les fichiers de configuration dans Orbiter, on aura la texture qui pour le moment n'existe pas, donc l'objet sera blanc. Alors, comment faire pour la texture? Nous ouvrons, moi en l'occurrence, c'est Photoshop. Maintenant, il y a d'autres logiciels. On va aller ouvrir le dossier qui se trouve. Hop, je l'ai mis là. Voilà, ça c'était le fichier que nous avions enregistré tout à l'heure avec UV Mapper. Le voilà. Et nous avons nos objets. Alors, première chose à faire, c'est de régler en couleur RVB. On va mettre un petit calque. Ça c'est juste pour vous montrer. On va mettre un peu de rouge ou du violet, tiens. Non, allez, du rouge. Voilà. Là, on enlève le cadenas. On va mettre ce calque dessous. Voilà, c'est celui-là. Après, on prend notre baguette magique. Si on règle sur 30, c'est une bonne valeur. On sélectionne. Oups, pardon. Bêtise. C'est celui-là qu'il faut sélectionner. Voilà. On fait del.
Et comme vous voyez, on a notre grille. Ça nous permettra, comme ça, si on veut faire un petit dessin, je fais ça juste comme ça pour vous montrer, et ben on sait ce qu'on peut faire. On a les morceaux et on peut faire notre texture. Après, ben, faut l'enregistrer en DDS. Voilà, voilà. Maintenant, une dernière petite chose. Je vous ai donc montré comment faire pour arranger à peu près les morceaux de texture. Là, tous les objets sont relativement simples. Ils sont soit verticaux, horizontaux, enfin bref. Bon. Mais, supposons, on va repartir dans notre objet du début. Celui-là. Supposons qu'il soit un peu de travers. On va l'exporter. Alors là, on va l'appeler tuto 2. Donc on a le même objet, mais avec un truc qui est de travers. C'est juste pour vous montrer. Voilà. On va le charger. Ah, j'ai fait. Export. Ah bah oui, c'est en mèche. Je me suis trompé. C'est souvent. Donc c'est en OBJ qu'il faut l'exporter pour aller dans ViewMapper. Donc on a dit qu'on l'appelle tuto 2. Voilà. On va faire comme tout à l'heure. Voilà. On va faire le même truc qu'on avait fait. Et là, on a nos machins de travers. On va le sélectionner. C'est le cylindre numéro 2. Et on va lui dire, comme tout à l'heure, cylindrical cap. Ah oui, mais le problème, c'est quoi l'axe, il est de travers. Donc si on fait Y, on va avoir un truc bizarre. Vous voyez un peu ça. Ça va être dur à texturer. Si on fait un autre axe, ben ça va être pareil. Donc, comment fait-on? Eh bien, en fait, le plus simple, c'est de le texturer à part. Donc, on le sélectionne, on fait copier, nouvel objet, coller, CTRL-V, et là, on va faire rotation aucune. Voilà. On l'exporte. Alors là, on va pas l'appeler comme ça, on va l'appeler cylindre. On retourne dans ViewMapper, on va le charger. Voilà. Et là, on va pouvoir le texturer tranquillement, comme tout à l'heure, avec l'axe Y. Voilà. CTRL A pour le sélectionner. On le met à peu près en forme, comme tout à l'heure. On rapetisse un peu. Voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'on veut le mettre sur l'autre texture. Mais comment faire pour bien le positionner? Eh bien, c'est facile. On retourne dans notre Photoshop, là. On prend juste le calque de tout à l'heure, celui-là. On va l'appeler repère. Repère 1 par exemple. Et on va l'enregistrer sous. Alors, autant le mettre dans le dossier où on a réglé tous les autres. Ça a l'air compliqué chez moi, mais vous inquiétez pas, je m'y retrouve. Il faut l'enregistrer en BMP. Vous voyez l'image de tout à l'heure. Et là, on va l'appeler texture. Texture, pourquoi pas, texture 1, peu importe, l'important c'est de s'y retrouver. Et maintenant, on va aller chercher la texture en question. Alors là, il n'y a rien, je vous remontre dans les hotkeys, c'est CTRL B pour charger un fond. Donc CTRL B, et nous avons notre texture qui est ici. Une touche très pratique. C'est la touche tabulation qui permet de faire disparaître ou pas la texture. Et là, nous avons notre nouveau machin qui est mal positionné. On va faire CTRL A pour le sélectionner.
on va le grossir un petit peu et on va se le positionner de façon à ce que ça ne bouge pas par rapport aux autres. Voilà. Maintenant, nous sauvons le modèle. Je vous rappelle que c'était ce cylindre qui maintenant est texturé. Voilà. Mais il faut aussi sauver la nouvelle texture pour tout à l'heure. Donc vous vérifiez la taille, c'est bon. Le nom, ça va être le même que l'objet, pas la peine de changer. Voilà. Alors maintenant, nous retournons dans Animator. On va importer ce fameux cylindre texturé qui est là. Seulement, problème, c'est qu'il n'est pas pareil que là. Il faut le remettre en position. Mais comme on avait gardé celui-là, on va s'en servir. Donc, on va faire une copie de celui-là. CTRL-C. On va le mettre là. Et puis, on va le remettre dans la bonne position. Vous remarquez que les axes ont changé. Ça, c'est le problème du VMapper. Si on prend celui-là, vous voyez, l'axe n'est pas du tout fichu pareil. Donc ça, il faut le savoir. Bon, là, en l'occurrence, là, que c'est pas très très grave. Pardon, je resélectionne celui-là. Sinon, il y a un moyen très simple pour trouver les axes, mais je vous montrerai ça lors d'une prochaine leçon. Donc, on le fait tourner à peu près. On va l'amener là. Bon, on va pas prendre 36 000. Hein. On fait CTRL-X pour couper. Alors après, chacun sa méthode. Hein. Et on le colle. Ici, hop, ça n'a pas marché. Bon, voilà. Je me suis un peu planté là, mais enfin, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Voilà. Donc, nous avons tous ces objets qui sont texturés. Et puis, pareil, on va les exporter en mèche. Ici, voilà. Alors même chose, le problème c'est que on exporte et il n'y a pas la texture, il faut la rajouter à la main. Voilà, donc toujours pareil, on va mettre texture et puis le nom de notre texture, tuto 1, qu'on avait voulu d'ailleurs mettre dans un dossier. Voilà, peu importe, ça c'est selon ce que vous voulez. Voilà, et même chose, on reprend ça, on va charger. Ah, on n'y est toujours pas. Notre objet, voilà, c'était tuto 2. Il est là. Et là, vous voyez, il y a plusieurs objets. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on avait copié un de plus. Voilà, et comme je me suis planté tout à l'heure, je l'ai copié d'ailleurs probablement en double. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, nous retrouvons avec ça. Je prenne le bon quand même. C'est un peu laborieux, mais on va y arriver. Il faut affecter à chaque objet la texture. Voilà, on fait pareil pour les autres. Plus rapide, vous cliquez là, groupe data, et vous avez ici les textures, c'est la texture 1. Donc on tape sur 1, il faut valider avec la touche entrée du pavé numérique. 1, on valide, on ferme et on sauve. Pareil, on sauve en mèche dans le bon dossier. Là, j'y suis pas. Enfin bon, voilà le principe. Donc, en résumé, quand vous avez plusieurs objets que vous voulez texturer, c'est pas très compliqué. Mais par contre, quand il y en a beaucoup, 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 je vous conseille de les faire un par un. C'est-à-dire, par exemple, là, vous voyez, c'est le même objet. Et nous, on les voulait séparer. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, ben, on prend un objet là, on fait copier. On fait un nouveau, on le colle là, on l'exporte en OBJ,
Et puis ensuite, on le texture tranquillement dans UV Mapper. Et je vous rappelle que vous pouvez très bien sélectionner un morceau, le bouger, le redimensionner. Par exemple, le fond là, on n'a pas besoin d'avoir une texture très très détaillée, on le fait tout petit, mais celui-là on le veut très très détaillé. Et ben on va le grossir. Voilà. On le met là. Et après, il faut sauver bien sûr et l'objet, puisque ça a bougé, donc le modèle et la texture. Et dans Photoshop, je vais vous montrer comment faire. Donc on reprend notre petit machin là. Ça on va mettre en blanc, c'est plus visible. Voilà, donc on a nos trucs. Je règle comme ça. Et on va aller chercher notre nouvelle texture qui est là. Je ne me souviens plus l'avoir sauvée. Donc on va l'appeler. Ben si, cylindre TXT, c'est bon. Alors on va donc la chercher pour Photoshop. Voilà, donc c'était avant qu'on la bouge, mais peu importe. Image, il faut la mettre en RVB. On fait glisser ça par-dessus, donc nous avons un autre repère. Là, je fais un peu vite, mais il faut être, faire très attention avec les noms, parce qu'après, on s'y perd très facilement. On reprend notre baguette magique. On enlève tout, ce qui permet de garder que les traits. Et voilà, nous avons notre gabarit pour pouvoir texturer plus tard. Et ainsi de suite, si on veut faire un autre objet, ça on le sauve en BMP, on le réintègre avec CTRL-B dans UV Mapper pour avoir un fond, on charge notre objet, etc. etc. Voilà, j'espère que même si ce premier tuto a été un petit peu brouillon, ben, ça permettra de faire quelque chose. Voilà, à bientôt. Si tout n'est pas compris, je referai un autre.